Avec ses gestes et ses droits de l'aveugle dans
dans le territoire de la Décapole, mais ce sont de nos aveuglements et de nos surdités spirituelles que Dieu veut nous libérer. Dieu, frères et sœurs, approchons-nous de Jésus dans l'Eucharistie du 23e dimanche ordinaire. Accueillons le président de l'Assemblée en chantant. Nos confrères de promotion,
Mes frères diacres, bienvenue aux religieux, religieuses, aux séminaristes, bienvenue à tous les membres, bienvenue à vous. Tous ceux qui sont géographiquement si loin de nous et si proches de nous en esprit, tous, je vous souhaite de connaître au fond de votre cœur la paix du Christ. Tous, je vous souhaite d'être des artisans de paix. En guise du rite pénitentiel, nous allons procéder à l'aspersion de l'Assemblée en souvenir de notre baptême, en implorant la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême, que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle, d'aimer bénir cette eau pour qu'en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps, nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, nous purifie de nos péchés. Et par la célébration de cette Eucharistie, nous rendons dignes de participer à la table de son royaume par notre Seigneur Jésus-Christ. Thank you.
Nous prions pour la famille estimable, Orisma et tous les bienfaiteurs. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants, à ceux qui croient au Christ. Accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Isaïe, s'adressant aux Hébreux, annonce la délivrance dont les signes préfigurent l'ère messianique. Le Christ, rejoignant l'homme dans son enfermement et sa souffrance, inaugure le royaume qui vient. Le psaume 145 est une véritable profession de foi, un inventaire des bénéficiaires des largesses de Dieu. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Grand maître là, pas jugé sous apparence. Deuxième lectia, c'est un enseignement chrétien à Pope Jacques à délivrer Banon. C'est s'annoyer réellement, pas chita sous apparence bague dans douette nous, ou soit rad qui sous nous. Nous c'est héritier bon Dieu. En écoutez avec attention. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie, car l'eau jaillira dans le désert, les torrents dans le pays aride, la terre brûlante se changera en lac. La région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Protège l'étranger.
Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu aussi pour toujours. Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 2, versets 1 à 5. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements roussillants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement roussillant. Et vous dites, assieds-toi ici, en bonne place. Et vous dites au pauvre, toi, reste là debout. Ou bien, assieds-toi au bas de mon marchepied. Cela, n'est-ce pas des différends entre vous et jugés selon de faux critères? Écoutons donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume, promis pour lui en ceux qui l'auront aimé? Parole du Seigneur. En ce temps-là,
Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia et il parlait correctement. Alors, Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient, « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, un signe de Dieu est sous nos yeux. Un signe merveilleux. Voilà pourquoi nous sommes invités à l'espérance. Tout comme le peuple de Dieu était invité à l'espérance. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas baisser les bras. Voilà pourquoi nous pouvons laisser le Dieu fidèle nous ouvrir à la joie et à la louange. Dieu a invité son peuple à l'espérance par la voix du prophète Isaïe. Le prophète annonce la venue de Dieu, l'intervention de Dieu dans l'histoire de son peuple. Un peuple en captivité en Babylone. Un peuple qui a perdu ses terres face à Édom, un peuple qui va subir l'intervention des Perses, qui va vivre sous le contrôle des Perses. C'est à ce peuple que s'adresse la voix de Isaïe, qui est la voix même de Dieu. Le Seigneur promet d'intervenir. Et cette intervention signifie pour son peuple, le peuple de Dieu, le salut. La délivrance. Ce peuple qui a été un peuple découragé, abattu, et voilà, Dieu invite ce peuple à reprendre courage, reprendre force. Dieu invite ce peuple à garder l'espoir, l'espérance. Matin après matin, nous chaque qui là, face à qui ça nous décourage, qui ça qui accable nous. Le Seigneur nous dit le psaume est celui qui redresse les accablés. De quoi, de qui as-tu besoin d'être délivré? Le peuple avait besoin d'être délivré de l'emprise babylonienne, des interventions d'Édom et de l'hégémonie perse,
Mais toi, de quoi as-tu besoin d'être sauvé? De quoi as-tu besoin d'être délivré? Le peuple avait perdu sa terre. Toi, qu'est-ce que tu as perdu? Il y a des gens qui ont tout perdu aujourd'hui dans notre pays. Toi, mais qu'est-ce que tu as perdu? Il y a des gens qui ont perdu des choses. D'autres ont perdu des personnes. D'autres ont comme perdu le sens de leur propre existence. Qu'est-ce que nous avons perdu, nous autres? Face à tout cela, c'est le même Dieu qui nous invite à garder l'espoir, garder l'espérance. Et pourquoi il faut garder l'espoir? Pourquoi il faut garder l'espérance? Parce que Dieu lui-même a fait promesse. Promesse d'intervenir par des actes grandioses. Par des actes merveilleux. Donc, nous autres, le Seigneur qui nous parle, il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Et cette fidélité est la base de notre espérance. C'est à cause de sa fidélité que nous pouvons garder finalement espérance. Dieu a promis aussi des actes grandioses à son peuple. Dieu a dit, le boiteux bondira comme un cerf. La bouche du muet criera de joie. C'est des choses extraordinaires. Un boiteux qui bondit comme un cerf. Une bouche de muet qui crie de joie. Dieu dit aussi, l'eau jaillira dans le désert. L'eau jaillira dans le désert. Quel paradoxe. Mais tout est possible quand c'est Dieu qui intervient, quand c'est Dieu qui agit. Quand Dieu intervient, des torrents coulent dans le pays aride. Quand Dieu intervient, le boiteux bondit comme un cerf. Quand Dieu intervient, le muet crie de joie. Quand Dieu intervient, l'eau jaillit dans le désert. Quand Dieu intervient, les torrents coulent dans le pays aride. La terre brûlante se change en lac. La région de la soif en eau jaillissant. Quand Dieu intervient, rien ne peut résister à sa puissance. Voilà des actes merveilleux promis au peuple de Dieu pour inviter le peuple à l'espérance. Et tout cela arrive parce que Dieu est fidèle, il garde sa parole. Même à un peuple qui n'a pas été toujours fidèle, mais Dieu garde sa fidélité. Et c'est pourquoi il intervient en faveur de son peuple, en signe de sa fidélité divine. Comme dit le psalmiste, le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Voilà pourquoi il faut s'efforcer chaque jour de demeurer fidèle à Dieu. Mais il faut s'efforcer davantage de savoir chaque jour compter sur la fidélité de Dieu avant de compter sur notre propre fidélité. Compter sur fidélité bon Dieu avant de compter sur propre fidélité panne. Fort de tout cela, mes frères et sœurs, de la fidélité de Dieu qui nous invite à l'espérance, eh bien nous pouvons nous laisser ouvrir à Dieu dans la joie et la louange. Laissez-nous ouvrir à Dieu dans la joie et la louange. Au peuple était donnée l'image du boiteux qui bondit comme un cerf, qui saute comme un cerf. La joie est promise. La joie est promise par Dieu à son peuple. Et voilà pourquoi la bouche du muet peut crier de joie, pour entrer dans la louange de Dieu. Et dans l'évangile, nous voyons Jésus qui ouvre cet homme malade
à la réalité de la vie humaine, mais surtout à sa relation avec Dieu. Jésus fait entendre et parler correctement un sourd, et un sourd en territoire étranger. Cela nous fait comprendre que Jésus est le Messie qui est venu apporter à tous le salut du Dieu, le salut du Père, le salut de Dieu. Jésus, c'est le Messie qui te promet là et qui vient porter délivrance pour tout le monde. C'est ça qui fait dans la foi nous dans Jésus-Christ en action. Nous ne sommes pas capables de faire différence entre nous. Jésus est le même pour tous. Il est venu apporter le salut à tous. Et la lettre de Jacques nous dit de ne pas faire de partialité, de différence entre les gens. Il faut aimer et accueillir tout le monde, ne pas faire de différence. Et la lettre de Jacques va nous donner les pauvres un exemple. Dieu a choisi les pauvres pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé. Le royaume de Dieu est le royaume des pauvres. Voilà tout ce que Jésus réalise. Et aussi aujourd'hui, il est capable de le faire pour chacun d'entre nous. Jésus nous guérit. Jésus nous rétablit dans notre relation avec Dieu. Jésus nous guérit. Jésus nous sauve. Jésus nous ouvre à Dieu. Et ainsi, il peut nous faire entrer dans la louange et dans la joie. Après l'intervention de Jésus, les gens étaient tout joyeux. Ils étaient contents. Ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la louange. Et ils ont dit cela en louange. Jésus fait entendre les souhaits parler les muets. Il fait bien toutes choses. Voilà la louange. Jésus fait bien toutes choses. La louange rendue à Jésus. Dans la première lecture, nous avons entendu la louange rendue à Dieu par le peuple. Dans l'évangile, nous entendons la louange rendue à Jésus. Il fait bien toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Et les gens n'ont pas cessé de proclamer Jésus et de chanter sa louange. Voilà comment notre Dieu nous invite aujourd'hui aussi à la louange. À la joie, lui le Dieu fidèle. Il a placé sous nos yeux un signe merveilleux, un signe grandiose. Et quel est ce signe pour nous aujourd'hui dans la paroisse? C'est l'ordination sacerdotale de Paul, estimable notre frère. Il était là tout le temps et tout le monde disait « Abbé Paul, Abbé Paul, Abbé Paul, Abbé Paul ». Même quand il est devenu diacre, nous étions tellement habitués avec Abbé Paul, même moi aussi, je continuais à l'appeler Abbé Paul. Et voilà aujourd'hui, un signe est sous nos yeux. Il est devenu prêtre. C'est un signe d'espérance, mes frères et sœurs. Un signe d'espérance pour lui, pour sa famille, pour les autres prêtres, pour les séminaristes, les diacres qui sont encore en route, et aussi pour notre pays. Dieu a placé sous nos yeux, à travers lui, un signe d'espérance. Imaginez, dans le pays, ça, tout le monde a couru, parti, et puis un jeune garçon, par qui ça pour le faire, lui était fait tout le temps ça, il a marché dans la mauvaise zone, sur le séminaire, venu dans Sacré-Cœur, monté, passé dans la mauvaise zone pour aller dans le séminaire, a brisqué la ville tout le temps, pour lui une paix, et pour lui travailler dans le pays, ça. C'est un signe d'espérance, mes frères et sœurs. C'est un signe d'espérance. Dieu nous dit à travers lui que nous pouvons garder espérance. Tout n'est pas perdu pour le pays. Il faut simplement attendre le jour, le moment d'intervention de Dieu. Il est un signe d'espérance. Dieu a mis sous nos yeux aujourd'hui ce signe d'espérance pour nous garder dans l'espérance, pour nous inviter à garder espérance, à garder espoir, à reprendre courage, à avancer. Comptez surtout sur le Dieu fidèle qui nous invite à entrer dans la louange et dans la joie. Donc, j'ai beaucoup parlé, j'ai prêché pour tout le monde quand la parole de Dieu s'adresse à nous tous. Mais je vais faire un résumé en l'adaptant
au ministère de notre frère Paul, en reprenant pour lui de manière synthétique tout ce que je viens de dire pour tout le monde. D'abord, je dois remercier mon frère Paul de m'avoir offert ce grand honneur de prêcher à sa première messe officielle solennelle. J'ai presque 25 ans de prêtre et c'est la première fois de ma vie qu'il m'arrive de prêcher dans la messe d'un nouveau prêtre. C'est aussi pour moi un signe d'espérance. Je l'ai reçu comme un signe d'espérance. Je n'y ai jamais pensé, ça ne m'intéressait vraiment pas. Mais quand Dieu a mis ce signe sous mes yeux, j'ai essayé de comprendre qu'à travers cela, Dieu m'a donné un signe d'espérance. Alors Paul, merci pour, eh bien, honneur ça, délicatesse ça, que vous faites moi. Et puis qui fait me songer tout, un jour, je me fais premier mes spam. Et puis dans mes spam, non, c'était Père Hans qui te prêchait. Et puis je dis, ah, c'est moi qui prêchais, non, n'est-ce pas, Père Paul là. Donc, Dieu, il fait bien les choses. Et je vais reprendre pour vous tout ça, Père Hans te dit, non, n'est-ce pas, non. Mais moi, son monde ou son monde. Père Hans, son monde, moi, son l'autre. Donc, ça veut dire, moi, plutôt quitter parole, bon Dieu, à jeudi, à parler avant. Et puis, écoutez ça, bon Dieu lui dit, à travers jeudi à même, jour sont choisi pour faire premier messe. Non, jour ça, qui ça, bon Dieu dit? Bon Dieu veut dire que même Jean avec Jésus, parce que le prêtre, c'est quelqu'un qui représente le Christ, qui est le ministre du Christ. Autre, il est un autre Christ, disent certains. Il est un alter Christus. Eh bien, même Jean avec Jésus, pas jamais oublié que Dieu t'a envoyé pour apporter le salut de Dieu à tous. Pas faire différence entre monde. Pas garder monde sous apparence. Accueillir tout le monde, même Jean, avec même cœur, même remède. Accueillir ça qui est riche, ça qui est pauvre, ça qui est en santé, ça qui est malade, ça qui est mignon, ça qui est pas mignon. Accueillir tout le monde. C'est ça Jésus fait. Et c'est sa parole, bon Dieu a dit, je dis, ah, ne pas faire de différence entre les gens. Mais surtout aimer et respecter les pauvres. Remer tout le monde, mais remer les pauvres en façon spéciale. Respecter les pauvres en façon spéciale. Sa parole, bon Dieu a dit, je dis, ah, encore. L'idou, annoncer parole bon Dieu à bay tout le monde. Pas choisir le monde pour annoncer parole bon Dieu à. Annoncer le bay tout le monde. Ouais, Jésus qui passait de région en région, passait en direction de la Galilée, il vivait dans le Décapole, il passait dans le territoire païen. Parce que il venait pour le bay tout le monde parole bon Dieu. Ou bien pour annoncer parole bon Dieu à bay tout le monde. Avec zèle, avec remède dans le cœur. Il y a un souci pour délivrance, mon Dieu, même j'ai avec Jésus. Il y a un souci pour leur salut. Comme Monseigneur Sander a dit hier à l'homélie de l'ordination, tu es prêtre pour donner Dieu aux gens et pour les conduire à Dieu. Pour cela, il faut aimer les hommes, il faut aimer les femmes de ce monde, il faut aimer les âmes. Ayez le souci des âmes. Annoncez aux paroles, bon Dieu, de toutes. Guéris au tout à travers et sacrement parole bon Dieu a annoncé, sanctifiez-le et puis rétablis-le dans relation avec bon Dieu, surtout à travers sacrement pénitence. Toujours fait bagaille ça yo avec un pile remède dans le cœur. Toujours fait yo comme si c'est la première fois que tu as fait. Tant que la messe t'a fait matin, la première fois solennellement, et bien chaque messe soit fait avec même remède ça. Même disponibilité ça, même joie ça. Et faire comme si tout c'est dernière fois dans la vie t'as fait. Parce que tout père, vous gagnez pour vous faire mais une dernière fois. Et bien dernière mais soit fait, toujours faire comme si c'était première fois, mettez tout au même la donne, mettez tout cœur content on la donne, mais faire tout comme si c'était dernière fois où t'as célébré la messe. Si père, tu connais qui là où t'as célébré dernière fois la messe. Eh bien, il t'a célébré de façon extraordinaire. Eh bien, toujours maintenant, t'es tout là, mais soit célébré, sacrement pas administré, c'est quatre dernières fois. Et fais-le toujours avec l'amour de la première fois, le zèle de la première fois.
L'Évangile te dit que tu dois être un signe d'espérance, un semeur d'espérance, un semeur de joie. Quand au passé annoncer l'espérance, quand au passé s'immer la joie, pas s'immer tristesse dans la personne, pas s'immer tristesse dans la vie personne. Toujours essayer avec la grâce de Dieu pour son semeur de joie et d'espérance. Je changer formateur, moi, l'aime dans la propédéutique, Père Garcia Brunville. Il te dit une petite parole ça en foi. Monsieur, soyez des semeurs d'espérance. Si parole ça en bas, j'en oublie, eh bien, il faut semer l'espérance. Il faut être signe de joie. Et voilà pourquoi tu dois être un prêtre joyeux. Sois joyeux dans le ministère, sois joyeux dans le sacerdoce. Tu dois être un prêtre joyeux. Ça veut dire problème au jeune dans le ministère, pas de plus fort que la joie. Faut la joie plus fort que tracaille. Et pour cela, il faut que toujours qu'on ait que la joie, finalement, c'est Dieu, c'est une grâce de Dieu. Demande à Dieu de te donner toujours la joie dans le ministère. Jésus l'a promis à ses disciples. Je vous laisse ma joie, je vous donne ma joie et rien ne pourra vous ravir cette joie. Si notre joie est enracinée en Dieu, c'est une joie bien gardée, rien ne peut l'enlever. Et voilà pourquoi tu dois être dans le ministère un homme de prière. Homme de prière et de louange. Homme de prière et de louange. Pas quitter travail, activité, pas bon temps pour la prière. C'est dans la prière pour puiser force pour faire ministère. C'est dans la prière pour puiser la grâce pour capable faire ministère comme Jésus voulait ou fait là. Ouais, dans l'évangile là, Jésus avant d'ouvrir la personne malade, pas seulement ouvre les oreilles, mais toute sa personne, car Jésus n'a pas dit ouvre tes oreilles, mais il a dit ouvre-toi. Avant de faire miracle ça, Jésus les yeux levés au ciel, la relation avec son Père, la prière. Le prêtre est un homme à la fois aux mains levées et aux yeux levés. Le regard toujours tourné vers Dieu dans la prière. Les mains levées pour intercéder pour les frères et les sœurs en humanité. Donc la prière tout le temps. Toujours prend temps la prière. La prière en vent ou à faire ministère. La prière pendant à faire ministère. La prière après ministère pour dire bon Dieu merci. La prière tout le temps. Si l'autre est séminaire, il se prend la prière, l'autre est diacre, la prière, et bien l'autre vient paix, c'est pire. C'est qu'il y a même pour la prière. Tu dois être un homme de prière. Et en même temps, de louange, de relation avec Dieu, de relation et d'intimité avec le Christ. Car finalement, et, ou pas paix, sans union avec Jésus. Voilà pourquoi il faut chaque jour grandir dans l'union au Christ et rechercher l'union parfaite avec le Christ. Tendre vers l'union parfaite avec le Christ pour le ressembler totalement. Parce que Père, il est pour lui ressembler à Jésus, lui représenter Jésus, lui doit venir sembler à Jésus chaque jour puis plus. Sembler à Jésus chaque jour puis plus. Eh bien, il faut beaucoup prier. C'est dans la prière que Dieu te donnera finalement l'accomplissement de cette configuration que tu as déjà reçue par le sacrement de l'ordre. Devenir en tout semblable à Jésus. Être un prêtre au cœur tourné vers Dieu. Un cœur tourné vers Jésus. Et n'oublie jamais que c'est Jésus ton meilleur ami. Ton ami le plus fidèle. Je dis, ah ouais, va les paix qu'il y a, voilà, c'est bien. Je dis à ma voix, c'est bien. Père Saint, à voix, c'est bien. Mais quand vous ministère, ou à pourquoi? Et qui est-ce qu'à voix? Certainement, c'est Jésus. Car il est le Dieu fidèle, il est l'ami fidèle. Donc, tu as obligé d'un ministère, taille. Il n'y a pas quitter le ministère pour venir ta voix. Il y a obligé d'un ministère, taille aux priorités. Je dis à tout le monde qu'à voix. Mais sous par la prière, eh bien, pour assimiler Jésus, reste à avoir sorti, ou à sentir en grande solitude. Ou à sentir ou isolé complètement. C'est dans la prière, eh bien, ou à nourrir une relation avec Jésus, ou à jouer une force pour accueillir les autres monde venir joindre nous, mais tout à une capacité pour rester lorsque, pourquoi? Jésus est l'ami fidèle. Il faut cultiver une grande amitié avec Jésus. C'est un ami fidèle.
Il faut entrer dans une amitié intime de jour en jour, devenir chaque jour davantage son ami et rechercher l'union parfaite avec lui, l'union parfaite avec le Christ. En même temps, si on consorte avec Jésus, ou après, ou pas bien besoin de chercher ta propre gloire. On va faire ministère pour faire chelbe, on va faire ministère pour bailler chaud. Tant que Jésus a guéri les nègres, il prend à pas sous côté. Il n'y a pas de chaud à faire. Et puis il dit, pas parler ça. Père, son nègre n'a pas ajouté tant que Jésus. Et il n'y a pas de chercher propre gloire. Souci, c'est Dieu, le salut des âmes. François Mio, on a dit bon Dieu merci. Pour signe merveilleux ça, bon Dieu mettez sous genoux aujourd'hui, et puis qui invite nous tout à l'espérance. Nous rendons grâce à Dieu avec Père Paul et pour Père Paul. Père Paul est pour chacun de nous un signe d'espérance. Et bien nous chaque tour, il y a un signe d'espérance, bon Dieu mettez dans la vie nous chaque. Faut que Dieu nous l'ouvre pour nous capables. Et c'est peut-être ça, le prophète Isaïe qui dit pour le peuple là, avant il dit qui c'est bon Dieu pour le faire, le cerf bondira de joie, et bon, le boiteux bondira comme un cerf, la bouche du mien criera de joie, l'eau qui coule dans les terres arides. Eh bien, le prophète Isaïe te dit d'abord, j'ai avec Dieu à prouver, j'ai avec Dieu à prouver, mon sous Dieu à attendre. En plus, fois, ça qui fait que nous parlons, si merveilleux, bon Dieu mettait dans la vie, non, c'est parce que nous aveugles. Parce que nous pas ouvrir à bon Dieu pour nous ouais pour nous tendre ça bon Dieu fait. Demandant au Seigneur de nous ouvrir totalement pour que nous puissions voir ces merveilles et pour que nous puissions toujours reprendre le courage et garder l'espérance, aller de l'avant en nous efforçant toujours de transformer notre quotidien. Mes frères et sœurs, le Seigneur a mis sous nos yeux un signe d'espérance. Dieu veut nous ouvrir à la joie et à la louange. Ne lui résistons pas. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour proclamer notre foi en ce Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu.
Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères les hommes. Après chaque intention, nous chanterons ensemble. S'enracine toujours plus dans ta parole. Et pour que le pape, les évêques, les prêtres et les diacres continuent de vivre une foi vivante, écartant toute surdité à ta parole, pour que leur cœur reste ouvert et que se délie leur langue pour témoigner de la présence dans le monde. Nous t'en prions. Seigneur, nous te confions les dirigeants du monde entier, spécialement ceux de notre pays. Fais lever des hommes de foi pour résoudre cette misère en Haïti. Nous t'en prions. Ceux qui s'affolent devant les épreuves, que sur leur chemin ils trouvent des frères et des sœurs qui les ouvrent à la confiance de l'Ephata. Ensemble, prions le Seigneur. De l'Église. Bénis particulièrement le ministère de Père Paul, fils de notre paroisse. Qu'il soit un soutien et un réconfort pour les infirmes et les affligés. Nous t'en prions. Seigneur, nous te prions pour notre communauté paroissiale, afin qu'elle apprenne à te louer tant qu'elle existe, en vivant chaque Eucharistie comme un ferment qui la transforme en servante de la parole. Nous te prions. Invitez-nous pour nous faire sacerdoce baptismal nous, pour nous oublier tête nous, pour nous prier pour un monde qui t'a remé présent, mais qui n'est pas là. On oublie tête nous pour nous capables de présenter l'intention de la prière nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ.
Christ notre Seigneur.
frères et sœurs, que le sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, le juste et bon. Pour ta gloire, notre Seigneur. De t'offrir notre action de grâce, toujours et tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers. Et ses merveilles, tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie. Nous te célébrons en Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant et du couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici. Rassemblés devant toi, Dieu notre Père,
et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. L'ennui qui est après trahi Jésus, les propriétaires, les dirons merci, libérons-nous, les cassés, les balles partisanes, les dieux. Prends, mangez la bonne moto, et elle m'en ferait sa. C'est comme moi, ma belle pour nous. Même si toi, les fruits mangés, les pains calissants, les tirs bassés, les bons de lui, les balles partisanes, les dieux, prends, belle dans le tour. Ça c'est sans moi, c'est sans nouveau contrat qui va là pour tout temps, c'est sans qui pourra couler pour nous, pour tout le monde, pour pardonner les péchés. Fais ça pour nous songer. Dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Oui, Père, nous t'en prions l'oblation de ton Église et bien reconnaître ton Fils qui, selon la chair, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et rempli de l'Esprit Saint, accordez-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que
l'Esprit Saint, fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque, Monseigneur Max Leroy, et ses auxiliaires, Sander et Wismic, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Pour les pères Beneski, Alexis, Berville, Seus, Paul, Estimable, Gabriel, Stanley, Renel, Jean, Jean-Baptiste, Sakel, Ebrons, Junior, Louis, Joazemski, Blanc, Beaubrun, Amos, Monsieur et Madame Marcel, Estimable, la famille estimable, la famille Orisma, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi. Nous te prions pour Monseigneur Guillaume Poulard, Monseigneur Ducange Sylvain, Margaret Lindor, Gérard Chéry, Docteur Pierre Marival, Sophia Brignol, Gwenny Estimable, Molière Estimable, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta grâce tous ensemble et pour l'éternité.
et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mon Jésus, je crois en ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets jamais que j'aie le malheur de me séparer de toi.
Amen.
Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi perfide, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints, je te loue, toi, dans les siècles des siècles. Amen. Thank you.
y a une catéchèse qui est développée dans Chansa, surtout dans le deuxième couplet, qui résume toute la messe. Moi, invitez-nous, les nouvelles à Kainou, aller dans la Prébléa, et puis la prière qui s'est développée là-dedans plus. D'accord? Prions encore le Seigneur. Pour ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nous nourris, tes fidèles, et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Voici les annonces de ce dimanche 8 septembre 2024. Le mois de septembre est le mois de Saint-Michel, recommandé le 31 en l'honneur de Saint-Michel-Archange qui se fait à la messe de 7h du matin. En mémoire de Saint-Michel, défend Haïti, na Kombasa. 14 septembre, c'est fête chapelle Croix des Prés. Abguintridium, 10, 11 à 12 septembre, à partir 4h après-midi. Et puis samedi 14, messe fête là a célébré toujours à 4h après-midi. Le père Joazemski Blanc, fils de Madame Blanc, qui a reçu l'ordination presbytérale hier samedi 7 septembre, célébrera sa première messe solennelle le dimanche 15 septembre à 9h en l'église du Sacré-Cœur de Turgeot. Ces annonces tiennent lieu d'invitation. Recommandez la neuvaine à Saint-Michel qui débute le 20 septembre à la messe de 7h du matin. L'école hôtelière Marie Auxiliatrice informe les jeunes, filles et garçons, âgés de 18 à 30 ans et ayant fait la philo au moins, que des inscriptions sont en cours pour une nouvelle session. Hôtellerie BAP 2 ans, restauration CAP 1 an et session du samedi en 6 mois jusqu'au 30 septembre 2024 au numéro 9, impasse Erreur d'Elma 75 de 9h du matin à 1h de l'après-midi. Pièce à apporter, acte de naissance, original et copie, deux photos d'identité, fiche de la philo pour le BAP en 2 ans, original et copie, fiche de la 9e année pour le CAP en 1 an, original et copie, pièce identification, original et copie, et les frais d'inscription sont à 2000 gourdes. Pour plus d'informations, comme je viens de le dire, passez au numéro 9, impasse Erreur d'Elma 75, ou appelez au numéro suivant 46 06 79 43 40 97 22 94. Maintenant, les personnes qui célèbrent un événement important sont priées de s'approcher de l'autel pour recevoir la bénédiction du célébrant. Merci de votre attention.
c'est pour bon Dieu, dans les mêmes, toute bénédiction sortie, fait descendre bénédiction sur nous, pour les toujours à marcher avec nous, pour ces parler qui n'ont pas nous. Nous demandons ça, pas pour voir Jésus-Christ, lui-même qui a vu aujourd'hui et pour tout temps et temps. Ce 8 septembre, fête de Notre-Dame de la Nativité, la communauté paroissiale du Sacré-Cœur est en liesse parce qu'elle accueille aujourd'hui un de ses fils en la personne du révérend Père Paul Estimable qui célèbre In Persona Christi sa première messe solennelle officielle. Quelle bénédiction pour la paroisse du Sacré-Cœur! Quelle motivation pour nos jeunes! La chorale composée de tous les groupes de la paroisse prouve qu'il s'agit réellement d'un événement paroissial. Aujourd'hui est un jour de grande joie et de bénédiction pour notre paroisse. Nous nous réunissons dans cette église pour célébrer non seulement le sacrifice eucharistique, mais aussi pour accueillir avec reconnaissance et ferveur la première messe solennelle officielle de notre révérend Père Paul Estimable. En effet, Père Paul, c'est avec un cœur plein de joie que nous te voyons hier revêtu des ornements sacrés et aujourd'hui pour offrir le sacrifice du Christ pour la première fois. Ce jour marque l'accomplissement d'un cheminement de foi, de discernement et de préparation. C'est un chemin que tu as parcouru avec courage, humilité et surtout une profonde confiance à l'appel du Seigneur. Comme pour bien d'autres, nous savons que ça n'a pas été pour vous un parcours facile. Il y a eu des moments de doute, des moments de questionnement et peut-être même des moments de peur. Mais que tu as choisi, tu as su persévérer jusqu'à la fin. Tu as été porté par la prière, par la grâce de Dieu et par l'amour de cette communauté qui t'a vu grandir et mûrir dans ta vocation.
ton témoignage aujourd'hui, ton engagement aujourd'hui est le fruit de tant d'années de travail, de prières, de soutien de ta famille, de tes amis et de ta paroisse. Sœurs et frères, faut-il rappeler que la vocation sacerdotale est un don précieux de Dieu? C'est une réponse à l'appel du Christ qui continue de dire à travers les âges, « Viens et suis-moi ». C'est une réponse qui engage toute la vie au service de Dieu et de son peuple. Ainsi donc, Père Paul, en tant que prêtre, tu es appelé à être un berger pour le peuple de Dieu, homme de prière, homme de service, homme de foi. Écoutez à nouveau la prédication de Père Patrick Louis-Jacques. Ta première messe aujourd'hui n'est pas seulement une célébration liturgique. C'est une offrande de ta vie au Seigneur, une déclaration de ton désir de servir le Christ avec tout ce que tu es. Que cette première messe soit pour toi le début d'un fructueux ministère rempli de grâce et de bénédiction. Que tu puisses toujours te rappeler de l'amour de Dieu qui t'a appelé à cette vocation. Et que chaque jour, tu puisses renouveler avec ferveur ton oui à Dieu. Tu es en droit de compter sur nos prières, la prière du clergé paroissial et celle de tes fidèles paroissiens du Sacré-Cœur. Que le Seigneur continue de te façonner, de façonner selon ton cœur, te protéger et te combler de ses grâces, tout au long de ta vie sacerdotale. Que l'Esprit Saint te guide et t'inspire dans toutes tes actions et que ton ministère porte de nombreux fruits pour le royaume de Dieu. Que tu puisses toujours servir avec joie, amour et une foi inébranlable. Et maintenant, Père Paul, pour t'accompagner et te soutenir déjà dans ton ministère, je vous prie d'accepter au nom du clergé et au nom de toute la communauté paroissiale ce petit présent. Surprise. Alors, évidemment, Chazub Violessa. Chazub Violessa vous l'a dit pour les chanter. C'est aux funérailles et dans le temps de carême, certainement le temps de l'avant qui arrivera bientôt, la bien pour le porter Chazub ça, c'est pas dit que ces funérailles nous vont chanter, non Père Paul, c'est vous qui avez chanté funérailles, moi tout, pas j'aime connaître. Mais étant donné que l'été ordonné avec un Chazub blanc et en tant que confrère de promotion, il y a un Chazub vert pour yon célébrer temps ordinaire là. Donc, dans les coulisses, nous apprenons que les poukou gen couleur violet et certainement si on couleur la besoin en pile, voilà pourquoi c'est couleur ça que nous avons choisi. Donc, en façon pour dire que c'est pas seulement funérailles ou pour le chanter. Alors, Père Paul, pour terminer, selon les mots du père sénégalais Armand Badiane, s'il est plus facile de devenir prêtre,
Il est pourtant plus difficile de le rester. Je n'ai pas dit ça pour nous faire peur, mais c'est une façon pour dire que chaque jour, on a bien pour faire effort pour être capable de rester père. Vous mettez compté sur la prière Père Louis-Jacques, la prière Père Clergé et toute communauté pour être capable de vivre sacerdoce soi jusqu'à ce que on va rencontrer avec le prêtre par excellence, Jésus-Christ. Bonne journée de fête et bon ministère sacerdotal. Voilà, nous presque arrivés dans faire célébration. Ça me voit le dire là, c'est pas un discours, mais c'est quelques mots. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Chers frères et sœurs, c'est avec ces mots que j'aimerais introduire mes propos de remerciement en ce grand jour où le Seigneur me donne de célébrer cette messe d'action de grâce. Que son nom soit glorifié, maintenant et toujours. Oui, je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a réalisé dans ma vie et dans celle de ma famille. Je rends grâce aussi à Dieu pour toutes les personnes qu'il a placées sur mon chemin pour m'aider durant mon cheminement vocationnel. Dans cet esprit de reconnaissance, je vous invite à observer un moment de silence en mémoire de notre feu, Monseigneur Guillaume Poulain, qui m'avait accueilli et envoyé au séminaire. Que son âme repose en paix par la miséricorde de Dieu. J'adresse un remerciement spécial à Son Excellence Monseigneur Max Leroy Mésidor qui a confirmé l'appel que j'ai reçu du Seigneur. Je le remercie aussi pour son accompagnement paternel durant mon parcours de formation. Je remercie aussi Son Excellence Monseigneur Sandel Lijan de m'avoir imposé les mains et Son Excellence Monseigneur Jean-Charles Wismic pour son accompagnement et sa participation à la messe de mon ordination presbytérale. J'adresse aussi un remerciement spécial à la curie archidiocésaine et à tous les prêtres de l'archidiocèse pour leur accueil fraternel manifesté durant mon ordination presbytérale. Remerciement spécial au révérend Père Hans Alexandre qui m'a toujours accompagné dès le camp vocationnel. Je le remercie aussi pour ses prières et ses sages conseils. Les mots me manquent pour lui exprimer toute ma gratitude. Je demanderai à Père Patrick de lui exprimer ma profonde reconnaissance
et la promesse de nos prières. Un remerciement bien mérité au Révérend Père Anselme Jasmin, curé de la paroisse au Bénin. Depuis votre arrivée au Sacré-Cœur, vous n'avez cessé de m'accompagner et de me guider fraternellement. Je vous reste reconnaissant et vous assure de mes humbles prières. Merci. Merci, mon Père. Un remerciement avec un grand M au Révérend Père Jean-Patrick Louis-Jacques, le prédicateur du jour, qui est aussi mon accompagnateur. Merci, mon Père, pour votre homélie et surtout pour vos conseils. Je vous promets, avec la grâce de Dieu, de les mettre en pratique. Merci, mon Père. Un grand merci à tous les vicaires de la paroisse, Père Limite Fosnel, Père Corneville, Père Jaffé Joseph, c'est le DA, Père Corneille, ensemble avec Père Jaffé qui cérémonial, célébration ça. Cher Père, je vous remercie infiniment de votre encouragement, de vos sages conseils. Merci, mes Pères. Merci au Révérend Père Fritzel Jean-Charles, Patrick Edjumé, Josué Seyid, respectivement curé de la paroisse de Delatte, Mont-Carmel, Plaisance de l'Ouest, Saint-Anne de Yacet, et aussi à tous les fidèles de ces paroisses. Un grand merci à tous les prêtres ici présents. Il va en pile, on a dit dans cité nous, ça nous dit. La cité nous. Ok, très bien, merci beaucoup. Je veux remercier Père Jaris Assez, lui-même qui s'est vécu dans la paroisse Saint-Anne Tomazo. Nous comme Tomazo? En tout cas. C'est mon gros bon parrain et il m'a dit merci parce qu'il était accepté de participer à la messe. Et Brand Junior lui, le même qui pire de toute perle qu'il a. C'est le même, c'est dans la promotion par Mandy et tout. Derville Seyus. Alors, Edouard Junior, lui, il sort aussi dans la paroisse Sacré-Cœur-Vialet. Il m'a invité dans le premier messe, qui c'est 29 septembre 2024. Vialet. D'accord? Et puis, Berville Seyus, il sort aussi dans la paroisse Carrefour. C'est Charles, mais invitez-nous dans le messe tout. Bénédicie Alexis, lui-même qui a fait le premier messe dans la paroisse Jacquet, Transfiguration. Saint-Louis Gabriel, lui sorti dans la paroisse Altagras Delma. C'est ça qui fait nous obliger battre pour nous rester là quand finir avec célébration ça rapide parce que après-midi a dit que premier messe pour lui faire dans paroisse Altagras. Saquel Jean-Baptiste, il sorti dans paroisse Vialet encore. Après dire nous avons deux invitations pour nous aller Vialet. La fête messe ensemble avec Ebrons.
Vialet, et puis de notre messe la fait dans la paroisse Tissavon qui n'a même et Tissavon qui n'a même paroisse non la chapelle Tissavon qui est en bas paroisse ça mais invitez nous. Nous voulons remercier le père Wessler Méré, ses congrégations Sainte-Croix, les mêmes qui sont juste cap haïtien pour venir participer dans la cérémonie. Merci, mon père, c'est mon grand frère. Nous remercions Père Arsène Jasmin. Certainement, nous reconnaissons, il va bien. Nous reconnaissons Père Arsène Jasmin. Ça veut dire que ce n'est pas fidèle, c'est quelqu'un qui vient nommer ça. Non. Et nous d'accord. Nous remercions Père Cassius Delva, lycée Société des Prêtres de Saint-Jacques, qui était dans le même pour nous ensemble avec nous. Mais à cause des problèmes qui étaient gagnés dans la tremblée, et puis il était allé faire études brisées, c'est ça? Et puis qu'il y a, il était ordonné avant nous-mêmes. Nous remercions pour vous aussi. Merci mon frère. Nous remercions Père Guillaume Jonathan, lui-même qui travaille dans la paroisse Grécien. Vous connaissez Grécien? Merci, mon frère. Merci, Jésus. Ok. Guillaume le Père, est-ce que c'est lui-même qui est pivot dans l'ensemble maintenant, Père Ola? Avant, c'est l'ingénieur qui a commencé, il me dit m'invite-t-il pour lui entrer avant pour le venir chita sur l'hôtel là parce qu'il est pire passer tout père qui là. Et puis il est sorti juste Jacques Mel pour les venir là. C'est Père Jacob Maxi. Nous remercions Père Fritzel Lignit qui se vicaire par Ostra. Et puis nous avons un couronne diacre. Il y a deux nouveaux qui sont de Gonaïve, qui arrivent ici de la Jotia. Il y a Aris Este. Aris Este est ses frères qui ont 10 nouveaux qui ont joué là. Et Wall Este. Et puis, il y a Diak. Mackenzie Olem Sanon, qui sortit dans la paroisse Notre-Dame Perpétuel Secours, Saint-Marc. Merci. Mais après célébration, il va passer dans l'assemblée pour occasionner nous qui l'a invité nous dans Messieurs. D'accord? Oui, l'ordination. Ok. Guillaume Lodia, Michel Soti, nous connaissons qui côté? Si me dit Michel, nous ne pouvons pas guetter qui côté? Michel Soti, Cavaïsien, c'est juste Cavaïsien pour arriver là. C'est Jack Emmanuel Olivier. Et nous disons merci, mes frères, peut-être que vous venez prier ensemble avec vous. Lui-même, je devrais quitter le dernier net parce qu'il y a un confrère qui a travaillé ici, là, qui c'est Jean Renel. Si on dit qu'il a travaillé ici, là, nous voulons équiper. Il est sorti de l'âtre. Nous voyons qui est-ce? Jean Renel, il est mestri. Côté-lui. À vous, pardon, oui. Il est mestri 6 octobre. Dans la paroisse de l'Ad, et puis nous invitons nous tous dans Messlia.
D'accord. Merci beaucoup. Un grand merci à mes confrères de promotion. Merci, chers confrères, de venir prier avec nous. Merci pour ce geste combien fraternel. Je remercie aussi de tout cœur les religieux et religieuses ici présents, filles de Mario. Il ne va pas citer l'autre encore parce que nous ne parlons pas trop de temps encore. Merci de votre témoignage de communion. Merci, merci de venir prier avec nous. Nous sommes dans la tête, Simon. Chaque soir, c'était toujours un problème pour moi, l'embrun dormi. Parce que, même si on était en courant, aller dormir au rond, papa m'a toujours dit, c'est l'homme fini son avant mon lit pour mal dormir. Mais c'était un bon, c'était un bien de ta fête, mais qu'il n'y a pas de comprendre ça. Je suis bien bas pour me saluer le courage. Non? Et puis, des petits 4x4 qui pas jamais suspendre mon premier chemin, l'église, et puis qui te montre le chemin, l'école, qui fait arriver la jodia. Mon maman, papa, accès, nous qui n'ont pas arrivé présent dans la cérémonie, ça, pour les gens que nous tous nous connaissons, mais nous connaissons combien nous sommes contents présents là. Ça m'a voulu dire, nous avons continué la prière. Parce que la dame n'est pas prêtée comme ça. Et nous connaissons qui j'ai déjà, nous remettons, et nous connaissons qui nous remettons tout. Merci pour l'amour que vous avez pour moi. Merci pour l'amour ça. Merci à toute fidèle par le Sacré-Cœur qui t'a accompagné moi. Aidez-moi de façon de l'autre. Je remercie spécial pour le chorale Rallye de l'amitié, cette chorale dont je faisais partie. Merci à Ancien et puis tout nouveau monde. Même pour ça, je vais tout profiter de remercier tout le monde, groupe AGLM qui sont un groupe monde qui est présent là dans la cérémonie. Ça. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Merci à toute chorale et à tout groupe qui nous paroisse là. Merci à chorale paroissiale là qui anime l'Esta. Vous avez fait un beau travail. Félicitations. Merci. Merci à tous les musiciens qui t'ont accompagné pour Allah. Merci à tout le monde qui t'a mené pour nous. Pour nous, on t'a béni, on va arriver dans l'esprit. Je me suis dit, quand j'étais à l'école, dans la classe, dans l'étude primaire, je me suis dit, c'était Thérésio qui était là. Je te comprends pour faire, pour entrer dans le même tout. Eh oui, de converser ça, oui. Mais, ça qui est plus belle là, c'est parce que j'ai un jour, on a fait une répétition, et puis, les fêtes là pour arriver, j'ai un marché dans les hommes, pour aller dans le marché, m'acheter un veste marron. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ok, d'accord. Je remercie spécial pour Gali Amazon. Je connais Léïd, Pape d'accord, si vous dites merci. Merci Léïd. Je remercie tous les séminaristes qui sont présents là, bachelier, il y a un grand pile là qui est en train de faire théologie, ou juste après tout lieu pour aller dans le stage. Merci messieurs, il y a là, et puis il y a qui est sur l'hôtel là tout. Merci pour la présence. Ce n'est pas trop facile pour les séminaristes venir dans mes pères, surtout depuis. Nous remercions pour tout ça. Merci, monsieur.
merci à tout si là-haut qui t'a aidé nous à faire préparation, célébration ça. Merci à Clémence et puis équipe Lee qui t'a fait décoration pour nous. Merci, merci. Merci à chaîne YouTube par cela qui permet tout le monde qui n'est pas présent de vivre la célébration ça. Et puis tout technicien, je dis merci avec tous les petites maman Marie qui présent là tout. Merci parce qu'ils nous permettent en plus notre monde qui n'est pas présent de vivre suivre la célébration ça. Merci, merci encore. Avec Seigneur, je connais si nous avons commencé à citer nos noms là, remerciement ça n'a pas fini aujourd'hui. Mais notre tout cœur, nous pas citer nous, tout le monde qui pas cité, nous pas citer nous tous nous remercier. Merci, merci encore. Et pour le remerciement, c'est grand mettre la cabane de nous, mais la grâce, la vie de pour nous à travers la célébration sainte. Merci à toutes fidèles, à nous toutes, à nous chaque qui viennent prier avec nous. Nous comptons avec nous, nous disons merci. Qu'un des femmes, une prière pour l'autre. Regardez-nous, nous ne pouvons pas continuer parce que nous commençons par les trois. Nous disons merci, merci, merci. Levez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. Je demande à tout le Père qui est là pour bailler bénédiction ça ensemble avec moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout-puissant éloigne toujours de vous l'adversité. Et de sa bonté, répand sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qui rende vos cœurs attentifs aux paroles divines, afin qu'ils soient comblés de joies éternelles. Amen. Qu'il vous donne de comprendre ce qui est juste et bon, afin de courir toujours sur la voie de ses commandements et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Aller dans la paix.